Bonjour à tous. Le 22 janvier, l'un des trafiquants de drogue les plus recherchés au monde a été arrêté à l'aéroport d'Amsterdam. En effet, Tsetshilo, un Canadien originaire de Canton, âgé de 56 ans, était recherché par l'Australie depuis une dizaine d'années. Cette arrestation est le point culminant de l'opération Kangour, dirigée par la police fédérale australienne et soutenue par 20 autres pays dont le Canada, la Chine, le Japon, la Birmanie, la Thaïlande et les États-Unis. Cet homme de 56 ans dirige l'un des plus grands empires de drogue au monde. Il est le chef d'une organisation criminelle appelée La Compagnie. La Compagnie est accusée de fabriquer des drogues synthétiques dans les forêts non contrôlées par la police de Birmanie. La police le soupçonne de vendre sa marchandise à Bangkok, mais aussi au Japon et en Australie, un marché de plus de 2,5 milliards de consommateurs potentiels. Selon Interpol, son organisation est responsable de près de 70% de toutes les drogues entrant en Australie. Selon Reuters, son réseau de stupéfiants représentait jusqu'à 17 milliards de dollars en 2018. La Compagnie blanchirait ses milliards issus de la drogue via des entreprises de la région du Mékong en Asie du Sud, notamment dans les casinos, des hôtels et dans l'immobilier. Tsetshilo naît en Chine en 1963. Il rejoint les Big Circle Boys, un réseau de criminels qui s'est d'abord répandu à Hong Kong puis dans le reste du monde. En 88, il déménage au Canada et obtient la nationalité. Les membres du Big Circle Boys au Canada sont particulièrement actifs dans la fraude par carte de crédit et l'importation massive d'héroïne et d'autres drogues. Son nom commence à circuler activement au Québec au début des années 90, en lien avec plusieurs activités criminelles. En 2000, il est condamné à 9 ans de prison aux États-Unis après avoir plaidé coupable à des accusations de trafic de drogue. Il est finalement libéré en 2006 et retourne au Canada pour soi-disant y ouvrir un restaurant. Il retournera rapidement en Asie où il unira des organisations criminelles rivales pour exporter de l'héroïne et d'autres drogues vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon et l'Indonésie. Fin 2016, un Taïwanais est arrêté dans un aéroport de Birmanie. Il était sur le point d'embarquer lorsque l'un des douaniers a remarqué sa tendance à se gratter les mains. En le fouillant et en fouillant son téléphone, l'un des douaniers est tombé sur une photo avec le visage de Tsetshilo. Quelques mois plus tard, un Australien ayant acheté un chalutier à Perth pour 214 000 euros sans permis de pêche attire l'attention des autorités. Ils le suivent lors de sa rencontre avec les autres du réseau de la compagnie, notamment à Bangkok, et en peu de temps, la police devient convaincue que Tsetshilo est le chef de cette organisation. Il est devenu à cet instant précis l'un des hommes les plus recherchés d'Asie jusqu'à son arrestation à Amsterdam. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo d'Actualis.